English lessons for beginners. La méthode Aleo, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, vous allez apprendre l'anglais de base afin que vous soyez capable de comprendre une conversation basique dans la langue. Par exemple, savoir déchiffrer un message technique en informatique lorsque vous êtes sur Internet ou lorsque votre ordinateur vous pose une question. Par la même occasion, vous aurez cette capacité à déchiffrer, à décoder une notice technique en anglais. Si vous n'avez pas de notice en français, vous pourrez également poser des questions courantes à votre entourage. Vous pourrez également poser des questions courantes lors de vos voyages, par exemple. Quelle heure est-il? Où y a-t-il un cinéma? À quelle heure peut-on déjeuner ou prendre son petit déjeuner? Y a-t-il encore une chambre de libre? Et si oui, à quel prix? Comment vous appelez-vous? Et demander divers renseignements sur vos visites touristiques, le cas échéant. Vous verrez également, par la même occasion, là, un peu de culture sur le pays que nous allons étudier dans ces leçons, en l'occurrence, l'Angleterre. Par la suite, pourquoi pas, vous pourrez aider vos enfants, vos petits-enfants, ou d'autres personnes de votre entourage qui, confrontées à l'anglais, n'ont pas cette capacité, comme vous, à pouvoir comprendre. Vous pourrez donc leur traduire, leur expliquer avec les moyens dont vous disposerez. Et puis en dernier point, on pourrait ajouter que vous allez rester dans la course, parce que si l'anglais était très important avant, eh bien il est encore plus important aujourd'hui, voire totalement indispensable. L'Internet, l'école, les enfants, les petits-enfants, les voyages, tout tourne autour de cette langue universelle qui est une langue vraiment excellente. Dans la prochaine vidéo, nous allons terminer la vue d'ensemble de la méthode Aleo et vous présenter, en l'occurrence, les moyens offerts par cette méthode. See you soon! English lessons for beginners.